J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Project Life. C'est la troisième de la chaîne et je suis vraiment très contente de vous retrouver pour vous donner des petites astuces et surtout aussi pour vous présenter une marque française qui s'appelle Pucine et Petit Scrap. Donc c'est la créatrice qui m'a contactée pour me présenter toute sa gamme de papeterie et du coup j'ai vraiment eu le coup de cœur sur la collection d'automne. Je sais qu'on est au mois d'avril mais je vais vous montrer comment utiliser les cartes avec 5 idées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. C'est parti! La collection se compose de 60 cartes recto verso, j'adore énormément les illustrations et aussi j'ai imprimé mes photos d'Amsterdam en format Polaroid. Pour réaliser ce Project Life, j'ai utilisé le format de l'ancien Project Life. J'ai tout simplement tracé les repères et ensuite j'ai perforé 3 petits trous. Puis je suis venue tamponner la date de ce joli voyage à Amsterdam. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets dans le petit point info. Et ensuite pour décorer, j'ai choisi de mettre des lettres dorées trouvées chez la petite épicerie. J'adore le rendu graphique avec ce côté orangé et le motif. Ensuite, pour la page suivante, j'ai choisi une photo un peu emblématique, une boutique de fromage d'Amsterdam. Ensuite, j'ai choisi d'écrire tous mes titres au feutre doré pour vraiment rester dans cette gamme colorée chaude et lumineuse. Dans la collection, vous allez trouver beaucoup de cartes avec des textures et moi j'ai choisi celle-là, je la trouve super belle, une écorce vraiment qui rappelle la nature et du coup je l'ai associée avec du liège. Jouer avec les textures, c'est le meilleur moyen pour enrichir vos Project Life. Et tout simplement, j'ai fait une espèce de petite pochette, donc c'est du liège autocollant et il suffit juste de couper les bords et ensuite, voilà, de glisser une petite photo. Pour rester dans les textures et les motifs, j'ai utilisé cette planche de transfert avec un motif rayé pour la page suivante. Vous trouverez sur les cartes plein de petites illustrations. Moi, j'ai eu envie de les découper pour en faire un nouveau collage. C'est vraiment une idée facile à réaliser. Et du coup, j'ai choisi un nuage, un petit bandeau et j'ai repris le motif graphique. Tout simplement, j'ai collé ma photo et ensuite c'est une question de goût. J'ai cherché un petit peu comment poser tout ça ensemble et voilà. Je pense que vous l'aurez compris, j'adore jouer sur les formats de mes Project Life, que ce soit sur des cahiers ou des petites pages. Ici, du coup, j'ai pris une petite carte, ensuite je l'ai perforée et j'ai choisi une photo aussi à mettre avec. J'ai tout simplement collé la photo dans le coin de la petite carte et ensuite je suis venue écrire un petit mot pour me rappeler de l'endroit où j'ai mangé ce délicieux hamburger. Page suivante. Comme toutes les cartes sont recto verso, vous pouvez vraiment vous amuser à écrire derrière ou coller une photo. Et enfin, le plus important, c'est d'ajouter sa patte personnelle avec des choses vraiment très simples mais qui vous correspondent. Les Project Life, c'est quelque chose qui ne prend pas forcément de temps mais qui vous font plaisir et qui vous rappellent de beaux souvenirs. Donc moi, ce que j'ai choisi, c'est de rejouer avec ce tampon que j'adore énormément, de mettre la date de la photo et ensuite de faire une petite illustration toujours au feutre doré. Et notamment, j'ai fait une tulipe qui représente vraiment la ville d'Amsterdam. La vidéo est terminée, j'espère que le résultat vous a plu et vous a donné plein d'idées pour vos propres Project Life, que ce soit pour un cadeau, pour vous-même. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. J'ai vraiment en tout cas envie de booster
les Project Life, les vidéos. Dites-moi en commentaire ce qui vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner et aussi d'appuyer sur la petite cloche juste ici pour suivre toutes mes publications. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!